Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous abordons un thème un peu particulier, un thème qui m'a beaucoup fait réfléchir pendant très longtemps et qui continue à faire réfléchir beaucoup de monde. Le divorce. Il est souvent dit que dans la parole de Dieu, le divorce ne peut être entériné qu'à partir du moment où il y a infidélité. Mais qu'en est-il quid des femmes ou des hommes, ça arrive, battus, qui vivent dans des conditions de précarité psychologique, sont en très très grande souffrance. Il y a un énorme problème en fait de conscience face à Dieu. Parce que s'il n'y a pas infidélité, comment vivre et comment survivre à cela? Alors on entend parfois des paroles qui nous disent oui, mais il faut prendre un peu d'intelligence et savoir que dans des cas de légitime défense ou de survie, alors à ce moment-là, il faut entamer le divorce. Ce qui est surprenant, c'est qu'on n'ait pas de fondement biblique. Or, la parole de Dieu, nous l'avons vue à maintes reprises, est très précise, elle détaille toutes sortes de choses. D'ailleurs, les cinq premiers livres de la Bible, qui sont la Torah, et on va y venir tout à l'heure, Torah signifie en hébreu, signifie le guide de la vie en fait. Torah, ce n'est pas une liste de commandements liturgiques. Ou appliquer à la lettre pour pouvoir être dans les papiers, comme on dit, de Dieu, mais plutôt une sorte de guide de vie, au même titre qu'on peut imaginer qu'il existe la Torah de la voiture, c'est-à-dire le guide comment utiliser la voiture, et bien là, c'est la Torah du monde, et la Torah du monde faite, écrite, inspirée par Dieu, pour l'homme, qui puisse vivre. Donc, nous devons avoir tous les cas de figure, car Dieu a prévu la chute, Dieu a prévu. Et on en a un petit peu parlé lorsqu'on a vu dans le jardin d'Éden les conséquences de la chute entre l'homme et la femme. On va un tout petit peu en parler ce soir, aujourd'hui encore. Bien. Donc ce que je vous propose, c'est de commencer l'étude sur cet aspect de la vie sociale, de la vie de couple, qui malheureusement se rencontre de plus en plus, autant dans le monde que dans l'Église et entre chrétiens. Hein, ce qui est terrible. Donc allons-y. Allons lire le texte dans Matthieu chapitre 5, versets 31 et 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Il parle et qui dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Quand Jésus dit, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne lettre de divorce, en fait, il fait une citation de l'Ancien Testament dans le Deutéronome au chapitre 24, texte que nous allons lire. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux, il écrira pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, il la renverra de sa maison. Elle sortira de chez lui, s'en ira, et pourra devenir la femme d'un autre homme. Si ce dernier homme la prend en aversion, écrit pour elle une lettre de divorce, et après la lui avoir remise en main, la renvoie de sa maison. Ou bien, si ce dernier homme qui l'a prise pour femme vient à mourir, alors le premier mari qui l'avait renvoyée ne pourra pas la reprendre pour femme après qu'elle ait été souillée. C'est une abomination devant l'Éternel, et tu ne chargeras point de péché le pays dit, que l'Éternel, ton Dieu, te donne pour héritage. On ne va pas tout étudier parce que ce serait très très long. Mais on va vraiment regarder un peu ce qu'il en est au sujet de cette lettre de divorce, de ce processus qui peut amener au divorce. Reprenons le début de notre texte. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. En grec, le verbe répudier, apolouo. Apolouo qui dit rompre, laisser aller, ou renvoyer de la maison. Vraiment une rupture. Et la lettre de divorce, c'est un autre mot, apostasion, on trouve la racine de l'apostasie d'ailleurs, apostasion, mot utilisé uniquement trois fois. Dans Matthieu 5, 31, ce que nous venons de lire, Matthieu 19 et Marc 10. On va en parler un petit peu plus tard. Vient d'un autre verbe, aphistémie, c'est-à-dire se retirer, cesser des vexations et abandonner. On va commencer à rentrer un petit peu dans le vif du sujet là. Il lui donne cette lettre de divorce. Cette lettre permet de cesser les vexations, qui permet de se retirer, qui permet d'abandonner la liaison, enfin, l'alliance qui avait été faite. Donner, dit. Didomi qui veut dire donner de son plein gré. Or, répondre à une demande. Parce que les textes, c'est-à-dire en mais on a l'impression que la pauvre femme,
Elle n'a pas son mot à dire. Le mari, si jamais il trouve quelque chose qui ne lui plaît pas trop dans sa femme, hop, il peut la répudier. Là, on voit que c'est aussi une réponse à une demande. C'est-à-dire que la femme a la possibilité, dans le texte biblique, de demander une séparation et de demander la lettre de divorce. Fournir les choses nécessaires. C'est-à-dire qu'en fait, quand il dit donner une lettre, ce n'est pas que donner un bout de papier avec un engagement ou une signature. Et ça va, c'est tout ce qui va avec. Donner les choses nécessaires. Continue. Donc, Matthieu 5, 31, si je prends littéralement, nous avons, il a été dit que celui qui renvoie ou qui rompt le lien qui l'unit à sa femme répond à la demande de sa femme de son plein gré pour lui fournir des choses nécessaires par un engagement légal, donc devant témoin validé, de cesser les vexations et de la laisser totalement libre. Dire, lourd, cette phrase. On va regarder d'un peu plus près, vous allez voir. Ça va vraiment, c'est très précis en réalité. Il s'agit de l'ordonnance mosaïque, Ancien Testament, hein, citation de l'Ancien Testament. Donc on est bien dans l'ordonnance mosaïque, à laquelle Jésus répond, mais moi je vous dis. Là on est dans une situation de l'Ancien Testament. Celui qui rompt et renvoie, donc qui rompt le lien qui répond à la demande de sa femme, de son plein gré, pour lui fournir les choses nécessaires. Donc c'est bijectif. Lui qui peut émettre la demande, mais c'est aussi sa femme qui peut émettre la demande. Voilà. Et il doit fournir tout le nécessaire pour que sa femme puisse continuer à survivre et ne pas l'abandonner. Pas un engagement légal, ça veut dire quelque chose de validé, c'est cette lettre de divorce légalisée, dans ce coup, validée par, à l'époque c'était les anciens, permettait de dire voilà, officiellement le lien est rompu pour telle et telle raison. Et Jésus dit, mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, que celui qui épouse une femme répudiée commette un adultère. Apoulo, répudié, nous avons vu tout à l'heure, rompre, laisser aller, renvoyer de la maison, correspond à une séparation de corps, c'est-à-dire qu'apouléo ne correspond pas du tout, ne donne aucune notion d'une rupture d'alliance. C'est vraiment une séparation de corps, celui qui se sépare, conjugué au mode subjonctif, mode de l'hypothèse, de la supposition. Cela signifie que celui qui réfléchit à une séparation de corps avec sa femme, celui qui n'honore plus sa femme, ça veut dire qu'on a, quand on parle de séparation de corps, il peut s'agir de faire chambre à part, il peut s'agir quelque chose, pas forcément la maison. Sinon, quitter la maison, quitter la région, c'est une séparation de corps, c'est-à-dire que le lien physique entre les deux personnes n'existe plus, ou il y a une réflexion, etc. Je vous dis que celui qui se sépare de l'autre de cette manière-là, sauf pour cause d'infidélité, l'expose. Poieo. Poieo, c'est faire, façonner. Fabriquer une chose à partir de quelque chose. Ou rendre prêt. Ça, il dispose, il expose, le terme est bien choisi, il expose à devenir adulte. Le mari prépare, met tout en place, prédispose de sa femme. Mais Jésus ne mentionne pas le divorce. C'est-à-dire que Jésus prend une citation de l'Ancien Testament en disant qu'il y avait répudiation et lettre de divorce. Et lui, Jésus dit, mais moi je vous dis, et il ne parle que de la répudiation. Il ne parle pas de la lettre de divorce. La femme répudiée n'est pas une femme divorcée dans ce texte. Deux choses totalement différentes. C'est une femme, la femme répudiée, c'est une femme qui est en séparation de corps. Il n'a plus, comme le dirait le texte biblique, il n'est plus honoré, pas forcément que physiquement, mais partout, son mari. Jésus met en garde contre un détachement des époux l'un envers l'autre dans le couple. En fait, dans ce texte, Jésus met en garde, disant, attention, si vous vous séparez, comme dira un peu plus tard l'apôtre Paul en disant, ne vous séparerez pas si ce n'est pour la prière. C'est dans le même état d'esprit, c'est-à-dire s'il commence à y avoir une désunion au niveau du couple, Jésus met en garde en disant attention, vous vous exposez à l'adultère. Prenez garde. Et il n'annule pas le cas énoncé dans l'Ancien Testament. Il ne dit à aucun moment qu'il ne doit pas y avoir de désunion. Aucun moment.
Regardons les clauses du divorce de l'Ancien Testament. Deutéronome. Lorsqu'un homme aura pris et épousé une femme, ne pas trouver grâce à ses yeux, etc. Nous avons lu le Talmud. Une femme qui viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux. Veraya. Veraya qui signifie survenir dans l'existant. Survient dans l'existant, fait nouveau. La construction de ce verbe est très particulière, parce qu'on commence par la lettre Vav, qui est l'homme, ensuite suivi de E, Yod, E, qui veut dire la vie, Aya. Le sens, c'est que description des expériences de la vie, des expériences de la vie de l'homme, de l'être humain. Si, lorsqu'un homme aura pris, qui, par les expériences de la vie, par l'évolution de la vie, on se dit, Marie, on ne sait pas ce que ça va devenir plus tard. Donc, là, s'il y a des choses qui surviennent, c'est pas parce qu'elle avait caché avant de se marier, ou de honteux, ou défauts majeurs, ou passion, etc. On est vraiment dans quelque chose qui est une évolution de l'existence, et que les choses viennent à changer. À ne pas trouver grâce à ses yeux. Trouver matza. Matza, c'est-à-dire recevoir une chose souhaitée. En fait, il ne trouve plus. Il était dans une construction, c'est fondamental, et on va en parler tout à l'heure, bien sûr, on n'est pas dans la consommation, on est dans une construction de couple. Là, je renvoie vers notre étude sur le mariage et construction du couple. Et enregistré. Et donc là, on est dans cette construction, on y trouve, il y a quelque chose qu'on ne retrouve plus, il y a eu une évolution. Conjugué au mode imparfait. Mode imparfait implique une action prolongée, un processus. Quelque chose qui tend à se perpétrer, c'est pas une faute. Pas dans le cas d'une faute, mais pas dans le cas d'un problème survenu mais qui se résout ou qui faute, mais... pardon, par en réalisant qu'il y a des choses pas bonnes et à ce moment-là, on, ensemble dans le couple, par sur une reconstruction, une guérison, pas du tout là. On est dans quelque chose, un processus qui est engagé dans la direction et qui se continue. Description d'un processus long d'éloignement par rapport à un but souhaité et le but de la construction. Trouver grâce. Grâce, c'est hen. Hen signifie grâce, faveur, et construit sur une racine oyobi et simple. Het, une, qui désigne une disposition volontaire et continue pour obtenir une grâce qui sera accordée. Et c'est un effort de construction. Celui qui n'a pas trouvé, traduit en tout cas, on va le voir tout à l'heure, mais dans sa femme, cet effort de construction, cette épouse part dans une direction qui va vers la destruction du couple, vers l'éloignement, vers séparation, cette désunion, par différentes expériences, pas forcément adultérin d'ailleurs, mais Il n'y a plus ce désir de construction. Et c'est là que c'est très important. C'est qu'on n'est pas, c'est pas un fait, on n'est plus fait l'un pour l'autre. C'est que le couple doit réaliser qu'il y a vraiment, il n'y a plus ce désir, cette volonté. C'est pas mal. Volonté. Parce qu'à tout moment, on peut revenir. Il faut cette volonté. L'homme réalise que lui et sa femme se distancent avec le temps sans réelle volonté de construire. Voilà la description, premier verset du chapitre 24, Deutéronome, préliminaire au divorce. Continuons. La suite. Parce qu'il a découvert en elle quelque chose de honteux. Qui veut dire parce que, étant donné, dans la mesure où, il a découvert, matza, tout à l'heure, recevoir une chose souhaitée, dans la mesure où il reçoit, il n'a pas reçu en fait, c'est ça, c'est conjugué au mode parfait, ça implique une action achevée, consommée. Donc, il a reçu quelque chose, vraiment dans quelque chose qui est dit, on a construit notre couple, on avance, le couple se construit, et puis l'homme, dans la mesure où il n'y a plus ça, et le « il », parce qu'il a découvert, dans la partie de la phrase, le sujet n'est ni masculin ni féminin. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est « il » ou « elle ». Ce qu'un homme aura pris et épousé une femme viendrait à ne pas trouver grâce à ses yeux, parce qu'ils, et là c'est au pluriel, ils ont découvert. Chacun de leur côté. Ouais. Et ensemble, ils ont découvert. Il y avait ce problème de distanciation. Et en elle, pas, c'est un deux lettres, Beit Ei, ils décrivent
de l'être ensemble, un cri devant lequel de quelque chose qui s'ouvre et qui laisse voir un abîme. C'est quelque chose qui s'ouvre et qui laisse voir un abîme. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est... On va le voir un peu après. Ça veut dire que cet état de fait n'est pas exclusivement une découverte de l'homme et de la femme, et qu'à un moment donné, il faut que ça s'ouvre, qu'il y ait un avis extérieur, et une médiation peut-être, dans le cadre de l'Assemblée, que, avec Dieu, on puisse essayer de non pas de réparer et de recoller les morceaux, mais de voir quel est pourquoi il y a eu cette distanciation, parce que la contention avec Dieu est toujours possible, bien entendu. Là, je vous renvoie vers notre étude sur le mariage. Donc, en elle, quelque chose. Et quelque chose, c'est dabar. Dabar, c'est parole. C'est pas un fait. Parole, un discours, un échange. Donc, il y a un échange honteux, erva. Erva qui décrit une indécence. D'où le sens de la nudité et de la honte. Et cette indécence n'est pas forcément la nudité. C'est une description d'une ouverture de la relation de couple à l'extérieur, laissant voir un abîme entre l'homme et la femme, qui crée la stupeur face à l'indécence de la relation conjugale. C'est-à-dire qu'il y a un problème, on n'est plus dans la construction, et il y a en plus quelque chose d'indécent, quelque chose qui est perturbant, et quelque chose qui est destructeur, et quelque chose qui est néfaste. Cette partie de phrase implique nécessairement cette dynamique de désunion qui aboutira au divorce, implique des témoins. Témoins dans l'assemblée. Et rien dans le texte ne dit que c'est l'homme uniquement qui doit s'ouvrir ou la femme uniquement qui doit s'ouvrir. C'est l'un ou l'autre, l'un et l'autre. Et dans tous les cas, la cause, la situation doit être validée, doit être prise en compte par des témoins qui vont être remplis de stupeur. C'est-à-dire que face à une désunion, on peut être de stupeur. Et il faut absolument construire. On va voir pourquoi un peu plus loin et comment. Continuons encore sur ce verset. Pas au bout. Hein. Voilà. Il écrira, peut-être, katab. Katab qui veut dire écrire, mais qui veut dire aussi prendre la résolution ou encore enregistrer. Je pense bien que c'est un acte enregistré. C'est-à-dire du moment où il y a eu des témoins, on a vu une prise de conscience de cette désunion, de cette distanciation. Qui aboutit d'ailleurs à des choses honteuses, c'est-à-dire qu'en fait, il peut y avoir des paroles changées qui vont être désagréables, dures, humiliantes, etc. Donc, qui est dans le déshonneur, tout ce qui est préjudiciable. Donc, ça, il y a des témoins, on essaye de construire, on voit pourquoi. Et à partir de là, il y a un enregistrement d'un acte officiel, légal. C'est conjugué au parfait. C'est-à-dire que c'est un acte unique terminé par rapport à une autre action. Tout ce qui était avant, là on n'est pas dans l'imparfait, c'est pas quelque chose qui va naître, que l'on va faire au fur et à mesure. Non. Faut, par rapport à tout un processus préalable, processus qui a amené la désunion, mais un processus où on a essayé de reconstruire à partir de parole de Dieu et à partir de conseils et de la prière des anciens, etc., dans cette mise en confiance, on n'est pas dans un dévoilement sur la place publique, vraiment, dans. Pas besoin d'une foule de témoins, hein, quelques-uns, fiables, ancrés sur la parole de Dieu, pour reconstruire ou pour essayer de comprendre, rétablir les choses. Une autre action, donc c'est désigne l'action justement de révélation de ce qu'il y avait de honteux, entre guillemets. L'écriture conjuguée, c'est Vekatab. Vekatab, ça commence par la lettre Vav. Au niveau du pronom, désigne il. C'est pas que l'homme qui écrit, c'est ils écrivent, ils écriront, peut-être, deux. Pas forcément ensemble, si des accords, mais en tout cas, on n'est pas dans un texte que l'homme qui peut déterminer si l'on a fait le choix ou pas. C'est vraiment des deux côtés. Si ça avait été il au masculin, ça aurait été yod. Si ça avait été elle, ça aurait été tav. On aurait commencé par la lettre tav ou par la lettre yod. Donc on est bien sûr quelque chose concerne les deux. Pour elle, il écrira pour elle. Là, désigne une nouvelle direction de vie. On peut le traduire aussi, oui, lamed et. Lamed, c'est une direction, et c'est féminin. Mais on peut très très bien aussi
traduire suivant une désignation d'une nouvelle direction de vie. On est vraiment dans le cas d'un divorce, nouvelle direction de vie. Vraiment, là, on entérine non plus une distanciation, mais une séparation complète. Hein, une rupture, on va dire. Donc, désigne une nouvelle direction de vie. Et cette lettre de divorce, lettre, c'est séfer. Séfer, une ordonnance, une requête écrite. Là, on valide. Hein. On a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que c'est un enregistrement, mais qui est validé. Il vient de kafar. Kafar, qui veut dire faire le récit, prendre en compte, se concerter. C'est-à-dire que cette lettre ne peut pas être écrite sans concertation, et il faut décrire ce qui se passe. Pas forcément avec force détail, mais on a vu qu'il y avait tout un processus préalable de prise de conscience de la distanciation, un processus où on va chercher de l'aide auprès d'anciens, de frères et sœurs de l'Assemblée. On va essayer de construire, et à partir de là, ensemble, on doit établir, faire un récit, faire un résumé, faire une photographie de la situation pour entériner les choses et prendre en compte les différentes, pas forcément griefs, mais en tout cas ce qui s'est produit, puisqu'on a vu que le verbe qui viendrait, c'est une évolution de l'existence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ce texte nécessite une réelle prise de conscience et, je dirais entre guillemets, construction du divorce. C'est-à-dire que cette rupture doit être validée, réfléchie, analyser, avec évidemment toujours comme objectif de ne pas détruire ce que Dieu a uni, qui a été uni devant Dieu. C'est faire, s'écrit de deux façons. Soit Samek, commencer par la lettre Samek, voilà, ou alors on rajoute à la fin la lettre E. Ici, dans notre texte, c'est la première écriture sans la lettre E finale. Si je prends l'écriture qui aurait pu y avoir, les deux premières lettres, Samek fait, toute idée de bout, de fin, de comble, de choses qui se terminent. Donc là, on est au bout. Cette lettre, elle enterrine. On est au bout d'un processus. C'est vraiment quelque chose de... On est en phase terminale, là, de processus, de sensation. Et les deux dernières lettres, Reish E, désignent l'éblouissement ou l'incompréhension. Alors que Reish tout simple, symbole de la marche de l'homme sur la base du principe divin. Là, cette lettre, elle est vraiment sur un principe que Dieu a établi dans la Torah. C'est quelque chose qui va être construit sur un principe bien donné. On n'est pas dans l'incompréhension. On n'est pas dans quelque chose de coléreux, de bouillonnant, et ce qui fait qu'on en aboutit à des choses terribles, et puis déchirement, et puis lettre de divorce. Il y a tout un processus, face à l'Église, de mise en place, et je le répète, processus qui engage l'un ou l'autre, et évidemment, les deux quand c'est possible, évidemment. Normalement, si jamais une telle situation devait se produire, parce qu'on est vraiment dans une chose qui ne devrait pas se produire, nous sommes tous d'accord, si on arrive dans des choses qui, si entre deux personnes, entre un homme et une femme, font partie de l'Assemblée et qui sont en Christ, quand même se poser un problème sous-jacent, hein, le texte est bien, le problème sous-jacent doit être mis sur la table et on doit échanger, comprendre pour exhorter à la sanctification et à un retour sur une construction en Dieu. Mais on n'est pas dans l'incompréhension, on est dans la compréhension des bases et des principes divins. Une lettre de divorce, Kirei Touv, signifie séparation complète entre époux. Là, on est dans une séparation de corps, dans un cœur, descente, une distanciation, on est rupture complète de l'alliance. Ce mot est employé 4 fois, Deutéronome 24, Ésaïe 50, Jérémie 3, 4 fois, chose en précis. Vient de la racine du verbe karat, qui veut dire supprimer, rompre, détruire, retrancher, conclure. Vraiment, on a dans ce premier verset du Deutéronome 24, vraiment une description de tout un processus, certes en peu de mots, c'est condensé, c'est quand même une situation extrême, mais très précise, comme nous venons de voir. Et enfin, on va finir sur ce verset quand même,
Et après, donc une fois qu'il a signé le divorce, et après la lui avoir remise, ce terme de après n'existe pas. Dans le texte, il n'y a pas de après. Et avoir remise en main propre, je veux dire, avoir remise en main, Nathan qui veut montrer, payer, prononcer, constituer. On est vraiment dans quelque chose où on a prononcé, c'est constitué, et comme on l'a vu tout à l'heure, il y a une transmission de ce qui est nécessaire, pour la construction, enfin pour être amené à écrire cette lettre avec un constat, une description, une réflexion, et par la suite. C'est une fois que tout ça s'est fait, une fois que tout est entériné, à ce moment-là, on va arriver à cette remise en main, et la lui remet en main. Alors, lui en main, en fait, c'est qu'un seul mot, yada. Yada veut dire cause de la division de la vie réalisée par la main de l'homme. C'est pas venir d'autre Dieu, c'est clair. C'est que c'est vraiment la cause de la division. C'est l'homme. Dans ses impulsions, on va le voir un peu plus loin. Impulsions dans ses désirs, dans ses sidérations, dans son appréciation, etc., etc., qui amène à cette division, à cette rupture. Donc vous. Il la renverra. Chalar veut dire éloigné, séparé. Au radical piel, qui est soit un intensif, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est total. Il n'y a pas de moyen où on reste copain-copine et puis on peut venir à la maison. Il y a vraiment une séparation, pas forcément une séparation d'animosité, mais cette rupture, elle est faite, peut être totale. Pas d'ambiguïté. Et par contre, le radical piel permet de mettre un verbe au transitif. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire s'éloigner, se séparer. C'est-à-dire que c'est pas l'homme qui lui dit maintenant va-t'en, on est dans une conjugaison qui permet de dire que les deux s'éloignent. Femme et l'homme. Nouveau, ce n'est pas l'homme qui est prédominant. L'écriture conjuguée en plus, là aussi, commence par la lettre vav. Lettre vav, c'est il. Il se s'éloigne, il se sépare. Ce n'est pas un qui est prédominant sur l'autre, c'est ensemble, l'un et l'autre, ils se séparent. Revenons sur Matthieu maintenant. Donc on a vu tout à l'heure Matthieu 5, maintenant Matthieu 19 qui reprend ce texte, versets 7 et 9, à 9. Pourquoi donc, lui dirent-ils, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répond, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. Là, il y a un mot qui n'est pas traduit. Moïse vous a permis de répudier vos femmes, sans doute de théorie. Et Jésus continue, et il dit, mais, au commencement, il n'en était pas ainsi. Ainsi, au tout qui est de cette manière. Mais, au commencement, ça n'était pas de cette manière. Ainsi, Jésus confirme, le divorce est possible. Ne dis pas que le divorce n'est pas possible. Il dit, au début, c'était pas comme ça que c'était pris. Évidemment, on va le voir. Selon les clauses du Deutéronome, valide les clauses du Deutéronome, voir, donc, il y a un processus, il y a quelque chose de clairement établi. Hein. Lorsque les époux se distancent depuis longtemps, les échanges, en particulier verbaux, sont honteux, problème, et pas que verbaux, les échanges ne sont pas sains. Pas constructif, l'un des deux ou les deux dévoile la situation à d'autres. À un moment donné, on en arrive à en parler à l'extérieur, donc pas sur la place publique, je répète, mais à des gens de confiance dans l'assemblée. Les personnes extérieures constatent la profonde distanciation. Les témoins confirment les échanges honteux. Sens, espace. Et là, donc ça, c'est les clauses. Hein. Jésus souligne par contre. La séparation ne doit pas être une simple séparation de corps, impliquant une sérieuse réflexion sur la non-volonté de construire. Vraiment dans un processus, enfin le divorce en fait, c'est qu'il y a un long processus, alors long pas forcément des années, mais réel, avec témoins, avec des médiateurs on pourrait dire, valide un petit peu cette réflexion,
niveau de la parole de Dieu, dans la prière, pour amener à construire. Auquel cas, la femme est exposée à l'adultère. Si on est dans une séparation de corps, la femme est exposée à l'adultère. Hein, dans Matthieu 5, 32, nous lisons, « Et moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour qu'on a fidélité, l'expose à devenir adultère. » La femme qui va être séparée de corps, qui est honorée, va être exposée à l'adultère. Mais Jésus nous dit que l'homme aussi est exposé. En Matthieu 19, 9, « Et je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre, commet un adultère. » L'homme, il va avoir tendance à aller aller vers une autre femme, assurément. Donc, il y a un risque. Pas que c'est systématique non plus. Il dit que les deux sont dans une position risquée, une position où ils se mettent faiblesse. N'oublions pas que celui qui est debout prenne garde de tomber. Jésus donne quelque chose de clair, où il n'y a pas de séparation. On a toute une réflexion, où pendant cette réflexion, bien entendu, peut avoir une situation intermédiaire de réflexion, mais face à témoin et dans un objectif de construire, d'édifier quelque chose, pas être sous l'effet d'une colère ou d'un désir charnel qui tendrait à vouloir aller chercher ailleurs, parce que l'herbe dans le champ d'à côté est toujours plus verte. Donc on est vraiment dans une construction. Longue réflexion. Et dans le cas de l'infidélité, alors, bien vu, bien compris, se passer pour amener une divorce, et on ne parle pas d'infidélité, là. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas de l'infidélité? Alors, reprenons les textes de Jésus. « Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, etc. » Et dans Matthieu 19, « Je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité. » Alors, infidélité, à chaque fois, c'est le même mot. Porneia. Porneia, qui est toute action sexuelle infidèle. Adultère. Physique. C'est en pensée. Mais aussi en mœurs légères. Porneia, ce n'est pas forcément physique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça peut être aussi mœurs légères physiques. Seulement dire une relation sexuelle avec un partenaire. Peut-être avoir des relations légères avec d'autres collègues de travail, avec d'autres membres de l'assemblée, etc. En pensée, en parole. Parole, on peut parler des blagues, par exemple. Blagues qui ne sont pas toujours très, très correctes pour un peu déplacer. Là, on est dans des mœurs légères, on est dans une infidélité, dans un cas d'infidélité. Et on peut avoir quelque chose de passif. Passif, ça veut dire quoi? Ça veut dire, regardez, pas acteur, je regarde. Parler des vidéos, films érotiques, voire pornographiques. Et sans aller jusque-là, aimer avoir, soupçonner des tenues légères, ou etc., etc. Donc, ce terme employé d'infidélité va très très loin. Ce n'est pas que une infidélité physique. Là, on se rappelle la parole de Jésus, je vous dis que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère. Vraiment, cette infidélité, c'est quelque chose qui va, on va le voir encore un petit peu après, très loin. Sauf pour infidélité, dans Matthieu 19. Aimé, à moins que, et sauf pour cause d'un. Et là, sauf, c'est parectos, pas dans le même terme, parectos, c'est à l'exception de, exclu. Et alors là, c'est étonnant, parce que pour cause, c'est logou, qui vient de logos, qui signifie cause de dispute, motif à plaider. Moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, à l'exception des causes de dispute, pour fidélité. Là, on est dans une description, je dirais, presque très moderne peut se produire dans un couple en difficulté. Les déclinaisons ne laissent pas à penser qu'il s'agisse d'une infidélité de l'un plus que de l'autre. La formulation de la phrase, notre traduction en français, donne l'impression qu'en fait, c'est l'homme qui est un peu... qui tient les rênes, qui choisit ici et ce qu'il fait, alors que si on regarde bien les déclinaisons, les accords, etc., on voit que la femme aussi peut demander, peut exprimer au même niveau que l'homme, pas l'un plus que l'autre. L'infidélité peut amener à une séparation de corps.
pas forcément un changement d'habitation pour l'un ou l'autre, mais une séparation des corps, comme on a vu tout à l'heure, chambre à part par exemple. Là, on arrive à quelque chose qui devient anormal, et là, on enclenche. Là, on enclenche le problème. Pour une prise de conscience, justement. Cette séparation de corps, c'est pour, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est ce temps de réflexion, ce temps de construction. On n'est pas dans un temps de colère ou de prise de position de façon un petit peu violente, vraiment dans une phase réflexion profonde avec les témoins, etc., et la parole de Dieu, pour envisager une reconstruction avec la parole, pour réfléchir et faire réfléchir chacun. De se retrouver dans un cas où l'un des deux se rend compte qu'il y a un problème, etc. Demande à avancer dans ce sens. Et parfois, la séparation, justement, mise un petit peu à l'écart, permet à l'autre de réfléchir sur ce qu'il est en train de faire et ce qui se passe et la douleur qu'il est en train d'infliger et peut-être le chemin sur lequel il est, qui risque d'aboutir à une rupture complète. Voilà. Sachant que, je vous dis bien que l'infidélité, on a bien vu, quelque chose va très très loin. Maintenant, le passage de Marc. On a à peu près la même chose, sauf que là, Jésus dit « Au commencement de la création, Dieu fit l'homme et la femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Et l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a fait. » On a le même passage dans Matthieu 19, c'est juste les versets qui précèdent ce que nous avons lu tout à l'heure. On a la même chose, Dieu, Jésus explique comment c'était au commencement. Au commencement, c'est apoarché. Apoarché, même expression que dans Matthieu 19, nous avons lu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on parle vraiment de la même chose. Parce qu'on aurait pu imaginer qu'il aurait pu avoir un mot différent pour exprimer soit une époque différente, soit une situation différente. Là, on est vraiment dans le même terme. Voilà. Au commencement, il n'en était pas ainsi. De la création, ktisis, fondation. Au commencement, à la fondation, au début. D'où on a parlé de création, mais initialement, c'est la fondation de toute chose. À l'autorité établie, c'est-à-dire que Dieu a créé dans un but particulier. Voilà. Et l'autorité établie, c'est Dieu fit l'homme et la femme, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, et sa femme et les deux deviendront une chair. Si ils ne seront plus deux, mais ils sont une seule chair. L'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint, ça c'est l'autorité établie au départ, par la parole de Dieu, dans la Torah, dans ce guide de vie établi par Dieu. L'homme est créé Adam. Là je reprends un petit peu ce que nous avons vu quand on parlait du couple. Simple, assez rapide, mais nécessaire néanmoins, d'après moi. L'homme est créé Adam. Et Adam, lorsqu'il s'unit à sa femme, il est Ish. Dans le texte de Genèse 2, 24, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, il devient chair. On n'a pas le même terme. C'est-à-dire que l'homme est passé de Adam à Ish avant de se marier. Il y a eu une sorte de progression. Et Dieu créa la femme, Isha. Isha a trois lettres particulières. Format une femme, Isha. De la côte qu'il avait prise, de l'homme, Ish, pas Adam, Ish. Pour avoir plus de détails, je vous renvoie vers notre étude sur les deux études d'ailleurs, c'est une sur le mariage et une sur la condition humaine révélée à la lettre près dans la parole. Ish et Isha. Deux lettres en commun, c'est-à-dire que si il s'unit, alors on a le Aleph, symbolise Dieu. Là, c'est à l'union, quand un homme et une femme, Ish et Isha, donc c'est un processus, ils s'unissent devant Dieu, ils ne deviennent plus qu'une seule chair, plus qu'un seul. Shin, lettre en commun, qui symbolise l'esprit. Et deux lettres différentes, on a le Yod, qui symbolise le Messie. Et on a le E, qui symbolise la vie. Voilà. Et à partir de là, l'union de l'homme et de la femme, Ish et Isha, en Dieu, dans un processus que Dieu a établi dès la fondation du monde, fondement, couple, et bien ça forme un nouveau mot, la jonction des deux lettres, des deux mots, deux noms, l'homme et la femme, qui signifie Dieu pour la vie ou témoin de la vie. C'est vraiment une construction dynamique. Lorsque la femme s'unit à son mari, elle est Ishat.
C'est-à-dire qu'elle est créée Ish, lorsqu'elle s'unit à son mari, elle est Ishat, alors qu'on a toujours les trois lettres qui symbolisent Dieu, l'Esprit, et le Tav, c'est-à-dire l'œuvre de la croix. Femme, qui était la femme de Proverbe 31, c'est Ishat, femme qui a acquis cette... par la sanctification, qui a acquis une édification et qui l'amène à être femme vertueuse de Proverbe 31. Que se passe-t-il quand Ish s'attache à Ishat? Donc s'unit à Ishat. Ish, Ishat, toujours les deux lettres en commun qui sont Aleph et Shin, esprit. Et on a deux lettres qui sont différentes, à savoir le Yod, pour le Messie, et cette fois-ci, on a non plus le E, mais le Tav, qui symbolise la croix. Fait rapidement, hein, mais c'est bien comprendre ce qui se passe. Et donc, quand Ish et Ishat, ceux qui sont vraiment dans cette dynamique de l'édification par l'esprit, forment un nouveau mot, if, voilà, qui est la base du mot mariage d'ailleurs. Et si je traduis rapidement, mais Dieu rendant la croix concrète ou témoin de la croix. Donc voilà, là on a un but pour le mariage, en fait, le mariage, l'union d'un homme et d'une femme, certes, c'est la vie, les enfants, etc. Mais c'est un témoignage de la vie en V, je suis la vie, et de la croix, de l'œuvre de la croix dans leur vie. Ça, c'est les fondements, au départ, dont Jésus dit. Au fondement, c'était pas comme ça. Il n'y avait pas la séparation, la rupture. Le couple, c'est la première ecclésia, la première église. Dans l'Ancien Testament, pour les mariages hétérogènes, c'est le mariage où un Israélite se mariait avec une non-israélite, ou l'inverse, ce n'est pas ce mot qui est formé par l'union de Ish et de Ishat au mariage, mais Ratan. Ratan qui veut dire dégradation, consternation, terreur. Voilà. Donc revenons sur notre texte de Marc. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Donc on a vu ce que c'était. Que Dieu avait prévu au départ, cette construction, loin de la rupture. Divorce. Donc que l'homme donc ne sépare pas, lui a joint. Séparer, chorizo. Chorizo qui veut dire séparer, mettre en morceaux, bien sûr, une coupure de quelque chose de un en forme deux, voire plusieurs. Moins deux, là, en l'occurrence. Ce que Dieu a joint, théognomie, signifie associer, joint deux éléments pour ne former qu'un. Vu l'exemple que vous a donné tout à l'heure, cette construction de la jonction de l'homme et de la femme pour ne former qu'un, ils sont fondus l'un dans l'autre. Et il ne forme plus qu'un. Le verbe est utilisé deux fois. Et l'autre, c'est dans Matthieu 19. En fait, il n'est que et uniquement utilisé dans la parole de Dieu pour décrire la jonction d'un homme et d'une femme dans les liens du mariage devant Dieu dans cette construction dynamique. Donc on a Ish plus Isha, on l'a vu, ça forme un nouveau mot. Témoin pour la vie ou témoin de Dieu, comment séparer ce nouveau mot? Alors, soit on va le séparer avec, en plein milieu, on va dire, on a Aleph Yod d'un côté et Shin et de l'autre, je vais nous donner où, ça veut dire, ces deux lettres désignent quelqu'un qui est perdu, c'est pas où il va, perdu, et fragment incomplet, cette racine désigne tout ce qui est incomplet, donc il manque un morceau, donc, c'est incomplet, difficile à utiliser. Ou alors on va le séparer en faisant Aleph Yod Shin d'un côté et de l'autre. Aleph Yod Shin, on reconnaît Ish, l'homme. Et on ressort intact. L'homme ressort intact de cette séparation, on va dire, de ce divorce. Et c'est l'article du féminin. Donc c'est la femme, mais il n'y a plus femme, c'est là. Il ne reste que l'ombre de la femme. La femme est détruite. On peut aller encore faire l'inverse. On a le Aleph et le Yod Shin E. Alors Yod Shin E, c'est la femme. Donc la femme, elle, en ressort intacte. Et l'homme, lorsque cette lettre Aleph s'applique à l'homme, parce qu'elle normalement, enfin, souvent, elle représente Dieu, et quand elle s'applique à l'homme en tant qu'article, et ce qui arrive dans la parole de Dieu, que ce soit l'article pour désigner le genre masculin, donc l'homme, eh bien, l'homme n'est plus que l'ombre de lui-même, c'est le principe abstrait de lui-même, c'est-à-dire qu'il n'est plus dans la concrétisation de sa vie, il n'est plus dans une construction
de toute son existence. Il n'est plus que l'ombre de lui-même. Et c'est un article indéfini, comme j'ai dit tout à l'heure. Comment séparer le deuxième mot où on a vu, c'était le témoignage. Là, il y a une erreur, hein, c'est pas « et » qu'il faut mettre ici, c'est « tav ». Et coller malheureux, pardon. Donc, comment séparer ce nouveau mot, là, voire tav, là, je l'ai bien représenté avec le tav. Soit on fait comme tout à l'heure, donc on va, là, je ne vais pas tout reprendre, mais là, shin tav désigne un mouvement vers les profondeurs, donc là, on désigne une dépression. On peut aboutir, cette vision, cette rupture peut amener l'un à la dépression. Ou alors, tav, ici, tout seul, désigne la souffrance. Donc dans tous les cas, on n'en sort pas indemne. La parole de Dieu nous dit attention, d'où l'intérêt de tout processus préalable à une divorce, rupture complète de l'alliance établie, puisque cette dynamique, elle était dans une dynamique de construction, on a fondé un foyer, bien ce mot de fonder, parce que on a vraiment quelque chose où on a cette notion de fonte, où l'un dans l'autre, comment séparer ça, c'est totalement impossible. Il y a encore un texte à regarder de près. Et Malachi, chapitre 2, verset 16, qui nous dit « Car je hais le divorce, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde à votre esprit, et ne soyez pas infidèles. » Là, on va dire l'autorisation de divorce, mais Dieu dit « Je hais le divorce. » Alors, le mot « divorce » dans certaines traductions, par répudiation. Je hais la répudiation. C'est beaucoup plus correct parce que ce mot, c'est chalar. Chalar, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure quand le Deutéronome parle de la répudiation, justement, qui va entamer ce processus de rupture. Alors évidemment, Dieu est, on aurait pu traduire aussi le verbe haïr, hein, signifier, et Dieu ne peut pas envisager séparation de quelque chose qui a été uni. Que Dieu ne peut pas imaginer, ne peut pas être dans une répudiation, dans une séparation de corps, dans une distanciation du couple. Donc, et c'est ce verbe qui est utilisé. Donc, il ne faut pas traduire par divorce. C'est-à-dire, je hais la répudiation, je hais la séparation de corps, je hais cette distanciation dans le couple. Pas être dans cette dynamique de rupture. Prenez donc garde à votre esprit. Rouar, qui désigne l'âme, le siège des émotions, des sentiments. On a fait maintes études pour bien montrer que rouar ne désigne pas l'esprit, mais l'âme. D'ailleurs, rouar est toujours associé au cœur et non pas à la tête. Or, pour l'esprit, c'est neshama. Neshama, qui va être relié à la tête, désigne l'esprit de l'homme. La rouar, c'est l'âme, siège des émotions, des sentiments, donc prenez garde à votre âme, prenez garde à vos émotions, à vos sentiments, à ce qui va diriger votre vie. À partir du moment, d'ailleurs, où nous ne sommes pas dans la régénération et la plénitude de la vie de l'esprit, normalement, on va vers d'autres études, hein, on a vraiment l'esprit de Dieu qui doit nourrir, qui doit irriguer notre esprit, lequel va déborder sur l'âme, qui va déborder sur le corps. On a plutôt l'inverse, tout est fait pour que ce soit le corps qui doit nourrir l'âme, laquelle devrait nourrir l'esprit, ce qui est totalement impossible. En fait, c'est dans ce sens, c'est une asphyxie de l'esprit. Donc en tout cas, prenez donc garde à votre esprit et ne soyez pas infidèles. Et là on retrouve Matthieu 15-19, Jésus dit, car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, c'est de l'âme que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. C'est de l'intérieur. Attention. Prenons garde. Prenons garde à ce que nous écoutons. Prenons garde à ce que nous disons. Prenons garde à nos mœurs. Prenons garde à notre direction de vie. Et que chacun prenne garde à lui-même, que celui qui est debout prenne garde de tomber. L'infidèle, ne soyez pas infidèle. Bagade. Bagade, c'est un verbe, qui veut dire agir en trichant, par derrière. C'est-à-dire qu'à partir du moment où dans un couple, on vit carte sur table, vit totalement transparent par rapport à l'autre. On n'a pas ce risque, parce qu'à partir du moment, c'est une sorte de garde-fou. À partir du moment où il pourrait y avoir un risque par une tentation, par légèreté, une non-prise de conscience, etc. À partir du moment
où on est transparent, où on laisse, on dit tout ce qui se passe, forcément, on n'est pas dans cette, on ne peut pas rentrer dans cette dynamique de rupture, parce que tout de suite, en fait, on va s'apercevoir qu'il y a un problème et on va entamer tout de suite les discussions, on va pas arriver jusqu'à ce qui est honteux. Conjugué au mode imparfait, donc là on a vraiment une action continue, un processus. Ne soyez pas dans ce processus qui amène à, vous voyez, c'est pas là la parole de Dieu ne nous dit pas une action ponctuelle qui serait une faute. Et évidemment, on va être dans la faute, mais la faute n'est pas un processus. À partir du moment où elle est reconnue et par la grâce, en pardon et en changeant d'attitude, évidemment, en changeant de fondement même, on peut construire. Par contre, si on est dans un processus qui va commencer tout doucement, rappelez-vous notre étude sur la chute dans le jardin d'Éden, Dieu a-t-il réellement dit? On voit que Satan a transformé juste un tout petit chose. Par exemple, Satan va dire manger du fruit de l'arbre. Dieu n'avait pas dit de ne pas manger du fruit de l'arbre. Dieu avait dit de ne pas manger de l'arbre. Vous voyez? Ce sont des petites nuances, ça va me dire il n'y a pas grand-chose. Ici, on renvoie vers notre étude sur la chute, bien comprendre que ça a fait beaucoup de différence. Prenons garde. Celui qui est debout, garde de tomber, demeurons fermes. Le divorce, voilà, situation extrême, qui est, peut exister, mais dans un processus où la parole de Dieu décrit clairement que l'homme et la femme sont en position d'engager ce processus qui peut arriver à une rupture si il y a vraiment un désaccord avec les témoins, l'assemblée et la parole de Dieu pour arriver à une situation claire, nette, précise, établie par tous. Maintenant que nous avons vu l'ensemble de ce que nous dit la parole de Dieu au sujet divorce, nous allons faire conclusion. C'est-à-dire que nous allons essayer de condenser, faire une sorte de résumé sur une seule diapositive de ce qui peut conduire et surtout de la manière dont on arrive à un divorce, soit géré de façon claire, nette, biblique, juste et avec sagesse. La première chose qu'il faut voir, c'est que Jésus ne remet pas en cause le divorce, tel qu'énoncé dans le Deutéronome, donc dans l'Ancien Testament, puisqu'il parle avec les pharisiens et qu'il leur dit, il a été dit que, là il parle de la répudiation puis de la lettre de divorce, puis Jésus continue en disant, mais moi je vous dis que, et il parle de la répudiation. Ça veut dire qu'il y a vraiment une différence entre la répudiation et le divorce. Et Jésus est en train de dire que la répudiation que les pharisiens pratiquaient de façon assez courante pour justement ne pas arriver à un divorce, c'est cette répudiation-là qui est dangereuse, au sens biblique du terme. Cette répudiation, en fait, c'était une séparation de corps, une division, une coupure de la cellule familiale du couple, qui amenait en fait les deux personnes à avoir une sorte de deux vies parallèles, cheminer l'un parallèle à l'autre, mais sans vraiment d'unité et avec une communication ou une communion plutôt déficiente. Et ça, Jésus parle bien de la dangerosité d'un tel comportement, puisque les deux personnes, les deux époux, en fait, sont susceptibles d'être amenés à la tentation de l'adultère. La tentation de l'adultère, telle que nous l'avons vu tout à l'heure, porneia, on va en reparler un petit peu après dans la conclusion, mais cet adultère n'est pas que l'acte physique de tromper, d'être infidèle. Et ça va beaucoup plus loin, puisque c'est physique, en pensée, comme Jésus l'a dit lui-même. Lui qui est pensé, maître adultère l'a déjà commis, en fait. Aussi dans les mœurs, dans les lectures, dans les visionnages de vidéos, etc. etc., etc. Donc ce que dit Jésus, c'est que vivre sur ce chemin-là n'est pas constructif et n'est pas biblique. Ensuite, par rapport au divorce, puisqu'il n'invalide pas le processus qui amène au divorce dans l'Ancien Testament, bien nous avons vu ce qui se passait, et donc le divorce est donc biblique, mais suivant une procédure très claire, très précise, pas très précise, pas suivant un axe très précis. Pourquoi ? Parce que dès que le couple constate la dégradation de leur relation, de la relation qui les unissait, en fait, ils constatent, sont évidentes, il y a un problème, alors soit ils le constatent l'un et l'autre, soit l'un des deux le constate, enfin, bref, il y a un constat dans le couple, à l'intérieur du couple, à ce moment-là, l'homme et la femme doivent faire appel à des frères et sœurs et ou frères de confiance dans l'assemblée, donc sœurs qui sont ancrées dans la parole de Dieu, qui ont vraiment cette vie avec Dieu, qui
la permet d'être rempli de l'esprit et d'avoir aussi la sagesse et l'intelligence biblique. Sachant que quand on dit l'homme et la femme, on a bien vu que c'était séparément ou ensemble. C'est-à-dire qu'il n'y a pas l'un qui prédomine sur l'autre, c'est pas l'homme exclusivement et la femme à subir, tel qu'on pourrait le penser à la lecture des textes que nous avons nous en français, et même dans d'autres traductions, hein, comme l'espagnol ou l'anglais, puisqu'on a vu que ça concerne les deux sont acteurs, évidemment, deux ensemble ou l'un des deux. Se faire appel à ses frères et sœurs de confiance, ça permet de constater la dégradation, premièrement. C'est-à-dire faire un constat que la communication dans le couple pose problème. On arrive à des choses, la parole de Dieu nous dit, de communication honteuse. Et honteuse, c'est pas forcément dépravé. Honteuse, ça veut dire qu'il ne fait plus acte d'amour, qu'il ne fait plus acte de compassion, qu'il ne fait plus acte d'unité, et qui peuvent même être l'extériorisation de sentiments, voire de ressentiments, qui peuvent être très forts et très violents, et qui peuvent être très dévastateurs. On a par exemple la colère, on peut avoir de la jalousie, on peut avoir de la haine. Donc là, il y a un constat de ce qui se passe à l'intérieur du couple, en fait, qui n'était pas forcément visible jusqu'alors, c'était vécu, mais c'était pas forcément visible par les gens de l'extérieur. Et le constat dans le temps, c'est-à-dire que ce n'est pas une décision ou quelque chose qui date de la veille ou d'une semaine. C'est vraiment quelque chose qui s'est entériné, qui s'est posé dans le temps, qui s'est validé dans le temps et qui, au bout d'un moment, en fait, est devenu une sorte d'habitude. Donc cette distanciation, cette différence, cette brisure, en fait, elle s'est entérinée et elle est maintenant en fait effective de façon profonde. C'est vraiment ce constat des frères et sœurs visualiser que là, on a vraiment une cassure. Pas tout ce qui, c'est certainement un retour à la croix des deux ou d'un des époux pour vraiment se positionner devant Dieu et repartir sur quelque chose de constructif. Ces frères et sœurs témoins, en fait, sont là aussi pour valider et pour être des témoins des causes irrémédiables de la distanciation des époux. Ça veut dire que, et souvent dans une difficulté, ou surtout une difficulté qui dure depuis longtemps, les antagonistes, pas forcément là, on parle du couple, mais ça peut être assemblée, ça peut être travail dans le tissu, etc. Les antagonistes ne sont pas forcément objectifs. Il peut y avoir une grosse part de subjectivité, donc d'a priori, de prise de position. Donc avoir un œil extérieur biblique permet d'avoir la formation, des conseils qui peuvent rétablir peut-être des choses qui ont été comprises, qui ont été mal vécues, bref. Toujours au regard de la parole de Dieu, bien sûr, et ses frères et sœurs aussi sont là aussi pour valider une sérieuse réflexion sur la non-possibilité de construire, de reconstruire, parce que l'objectif du couple, nous l'avons vu tout à l'heure. Donc, si il y a cette non-possibilité de construire ou de reconstruire, ça veut dire de toute façon qu'a priori, l'un des deux, voire les deux, restent sur des positions qui ne sont pas forcément, et comment on va dire, positionne pas dans l'humilité face à la croix pour peut-être reconnaître ou pour accepter, je ne sais pas. C'est dans ce cadre-là que va intervenir ce qu'on appelle le cas par cas, c'est vraiment une étude prise en compte sérieuse de certaines choses qui permettent de dire voilà, on ne peut pas aboutir à autre chose qu'un divorce, sachant que le divorce ça reste quelque chose de destructeur. Ça faut bien prendre en considération que le divorce, ce n'est pas un point final et puis on repart sur autre chose, un point final et puis je retrouve ma liberté, ou puis pas du tout. Un divorce, c'est une destruction. Vraiment garder à l'esprit que dans tous les cas, quoi qu'il arrive, le divorce c'est une destruction. Bien sûr, il y a une sérieuse réflexion, ça ne veut pas dire que ça va prendre beaucoup de temps. Cas de figure extrême urgence, on a des risques pour les enfants, des risques pour l'un des deux époux, qui peuvent être des risques de violence physique, mais ça peut être des violences psychologiques, ça peut être des tas de choses. Là, on est vraiment dans le cas par cas, et c'est là qu'il faut vraiment, avec l'aide des frères et sœurs, dans la prière, savoir intervenir, et parfois plus ou moins rapidement. En tout cas, ça a été entériné sur quelque chose qui a été sous-jacent peut-être pendant longtemps, et qui a pu pourrir un peu la relation du couple. Aujourd'hui, on arrive dans une situation de non-retour extrême. C'est vraiment une extrémité que nous donne la parole de Dieu. Pas une issue parmi tant d'autres. C'est vraiment une extrémité. Et sachant bien garder à l'esprit que c'est une destruction de laquelle les époux ne ressortiront pas indemnes, et parfois les enfants, s'il y en a,
eux aussi seront quelque part abîmés par ce divorce. Plus le divorce se passe entre personnes adultes, mieux c'est, évidemment. D'où l'intérêt de cette conciliation préalable, de cette prise en compte, toute la situation dans sa globalité par des témoins extérieurs fiables et de confiance. Et cette non-possibilité de construire ou de reconstruire, eh bien, c'est tout simplement en raison de causes ou de conséquences de certaines choses qui se sont produites, hein, qui sont multiples et qui doivent être étudiées avec et par les frères. Là, cas par cas, voir un petit peu pour étudier, pour devant Dieu se positionner, parce que toute reconstruction et toute construction est possible en Christ, évidemment, à partir du moment où on repose tous les fondements devant la parole de Dieu, on laisse Dieu agir et le Saint-Esprit agir des deux côtés. Là, dans la non-reconstruction, laisse a priori entendre que l'un des deux ou les deux ne sont pas dans cette optique de la parole de Dieu et de l'action de l'Esprit dans les vies ensemble, des deux. Il n'y a qu'un seul cas qui ne nécessite pas une réflexion approfondie, ne nécessite pas de prendre temps, prise de position, qui est l'adultère, de l'un des époux qui ne peut pas changer. Dans une position d'adultère qui dure, qui perdure. Alors quand on dit adultère, souvent on pense encore là à l'acte physique, mais terme grec c'est porneia qui désigne une action sexuelle d'infidélité, peut être l'adultère tel que nous on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire une action physique, tromperie physique. Mais c'est aussi en pensée. Là, on peut avoir quelque chose qui va durer sans pernicieuse. Des mœurs légères, on peut avoir l'un des deux qui peut avoir des mœurs légères physiquement. Hein, on peut avoir des mœurs légères en pensée. Alors ça peut être l'église, ça peut être le travail. Il y a de personnes que j'ai rencontrées qui, à l'église, avaient un comportement ordinaire dans la prière, qui louaient le Seigneur, qui faisaient pas mal de bruit, mais positif. Et en sortant de l'église, l'un des hommes ont pris de la place dans le service pour Dieu le dimanche matin. Ça ne le dérangeait pas de mettre la main aux fesses de certaines femmes en disant alors on y va, on va aller prendre un casse-croûte ou on va manger. Enfin, là, on a une mœurs qui sont complètement, c'est ahurissant, mais c'est comme ça. Ça existe. Il y en a d'autres, c'est en pensée. C'est mœurs légères. On a aussi des mœurs légères en parole, ça peut être des blagues, ça peut être de l'humour qui va être fallacieux, comme on l'a vu dans la parole de Dieu, ce qui va amener cette pourriture quelque part, parce que c'est ce qui fait mal et ce qui va être sujet de disputes, de discorde, c'est ce que nous avons étudié tout à l'heure. C'est tous ces sujets en fait qui s'imbriquent, et quand il y a ça à la base, et qu'il n'y a pas une volonté de changement, une prise de conscience avec cette volonté sérieuse de changement et de libération, demande de la libération, à ce moment-là, ça ne peut pas se faire. Et il y a aussi toute l'action sexuelle d'infidélité qui est passive, c'est-à-dire regard. Alors le regard est vidé, revu, peut être déplacé, peut être dépravé. Là, forcément, on arrive à une destruction complètement du lien en fait, du couple et de l'unité du couple qui amène forcément une énorme souffrance. Dans ce cadre-là, s'il n'y a pas de volonté de changement, il n'y a pas une sérieuse réflexion et longue réflexion à avoir. Voir qu'il y a forcément, ça entraîne souffrance, déchirement, et la cellule familiale explose. La réflexion prend en compte l'honnêteté dans les causes et la volonté de rester dans un tel état de fait. Ça, les frères et sœurs là, dans ce cadre-là, valider le fait que l'un des deux ou les deux sont dans un processus pas constructif, pas constructeur. C'est l'honnêteté par rapport à la déclaration de cette position. Et la limpidité de la situation, c'est vraiment être clair, limpide, honnête. Il est clair que si l'un des deux n'est pas honnête, clair, limpide et vrai, ou les deux, aucune construction n'est possible. Évident que si dans le couple même il n'y a pas cette limpidité, cette transparence, rien ne peut se construire. Et rappelons-nous ce que nous avons lu tout à l'heure dans Malachie chapitre 2, verset 16. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Bagad signifie agir. Dans le dos, agir par derrière. N'agissons pas par derrière, n'agissons pas dans le secret. Tout ce que nous faisons, faisons-le comme pour le Seigneur, et qu'il puisse être mis en lumière, et en particulier dans le couple, où nous ne formons plus qu'un, tout ce que l'un fait, l'autre n'est pas doit le savoir. L'autre doit pouvoir le savoir,
parce qu'on va pas non plus passer notre temps à faire des états de nos journées, les uns et les autres, mais il ne doit y avoir aucun problème à ce que l'autre puisse connaître ce qui a été fait, dit, vu, enregistré, etc., etc. Donc, soyons bien clairs que c'est une extrémité que le divorce, une destruction d'une unité de couple, première ecclésia, donc c'est vraiment une explosion, mais que la parole de Dieu n'est pas en opposition formelle contre le divorce, c'est-à-dire que la parole de Dieu ne met pas un joug beaucoup trop lourd à porter sur certaines personnes en culpabilisant. Hein, comme Jésus le dit, vous mettez un joug sur les gens que vous ne voulez même pas remuer du petit doigt, c'est ce qu'on reproche aux pharisiens, aux religieux de l'époque. Bien, la parole de Dieu ne fait pas ça. La parole de Dieu donne vraiment un accès identique, l'homme et la femme, à entamer non pas une procédure de divorce, mais une procédure qui, dans le cas extrême, pourrait aboutir à un divorce. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.